Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant? Ces bandits ont besoin d'une leçon. D'accord. Je vais régler ton affaire de bois. Enfin! On peut dire que Marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte. Tu sais où ils sont, ces bandits? Mon métier à moi, c'est de faire des arcs, pas de traquer les gens. Je sais seulement qu'ils sont dans les montagnes. À mon avis, du côté des campements de bûcherons. Ce ne sont pas les arbres qui manquent. Pourquoi veux-tu ce bois en particulier? Je travaille sur un arc d'un genre nouveau. Il est plus souple, il dure plus longtemps et il tire beaucoup plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin d'un bois particulier qui ne pousse que sur les hauteurs. Je vais m'occuper de ces bandits. Je compte sur toi. Et tâche de faire vite. Je vais m'occuper de ces bandits et t'apporter le bois dont tu as besoin. Un peu de patience. Ce ne sera pas long. Si tu savais depuis combien de temps Marcos me fait attendre, tu ne dirais pas la même chose. Très bien, j'ai fait quelque chose pour toi, alors à ton tour maintenant. Rapporte-moi ce bois. On y va. Oh, oh. C'est là que l'embuscade a eu lieu. Je dois jeter un œil. Des empreintes de pas, nombreuses. Un groupe est parti vers l'ouest. Des tirs dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandits. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Le campement de bandits que je cherche. Il faut
J'approche discrètement. J'ai envie de te tuer, Mystios à l'aigle. Est forcément surveillé. Je dois rester prudente. Il y a quelqu'un qui ne bouge plus là-bas. Il faut que je trouve qui a fait ça avant qu'il recommence. Oh !
On y va maintenant. Oh, voilà la mercenaire de Marcos. Oh, ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé. J'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hadès. Ton bois devrait bientôt arriver. Et tu penses que je vais croire la parole d'une mercenaire? Je ne m'attendais pas à ce que tu me crois. Alors j'ai apporté ça. Voilà ta preuve. Un peu de ce bois auquel tu tiens tant. Avec tout le mal que je me suis donné, tes arcs ont intérêt à être dignes d'Apollon. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Allez. Samy, je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Cet endroit ne changera pas. Il
Voilà! Et ce n'est pas trop tôt! Je me suis occupé des bandits et j'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, ma chère! Alors? Ton plan? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon amie batailleuse. Et c'est à cause de toi si ça me concerne, mon ami. C'est vrai! Mais je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire ? Nous devons faire, tu veux dire. Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus ? Ses hommes ? Ses terres ? Ses navires ? Non ! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcus. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou ? Tu lui empruntes des drachmes ? Et tu veux lui voler son œil ? Si on le lui prend, on gagne ! Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge ? Je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non ! Le Cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne ? Sur Kefalonia ? Je n'en ai jamais vu. Mais c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or ! De l'or ! Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser ? Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Je ne sais pas où habite le Cyclope. Reste sur la côte ouest de l'île. Tu trouveras son repère. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin ? Pourquoi tu dis ça, Cassandra ? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le Cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Ré.
reste à trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcus, il doit être caché. Bonjour, œil. Je te vois. Le lieu sera bien défendu. Je dois me cacher. Si je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire.
Cet œil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste hors de vue. Je sache qui s'amuse à faire ça. Prudent d'aller voir. Yeah.
retirer de cet endroit. Je sais que ce sera facile. Mais si l'on bien aimé, oh, mes chéris. Malaka, je ferais bien de m'occuper de ça. Bien long. David, prends pas ici! J'espère que vous êtes capté! Au moins, je serai en vie.
Hé, hey, attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Crois-moi, j'ai entendu le raffut. Tout le monde a entendu le raffut. Je ne t'avais pas dit de te faire discrète. Tout ça pour une saleté de caillou. Ce caillou vaut autant qu'une maison, ma chère. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça! On s'est bien amusé, non? Ouais, tu n'étais pas là-bas. J'aimerais que tu arrêtes de m'entraîner dans ce genre de choses, Marcos. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Quere, Marcos. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le Cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour? On peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les! Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le Cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner, tu verras. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons! Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a! Nous serons riches! La côte Est? Tu ne pourrais pas être un peu plus précis? Je crois qu'ils sont dans une maison abandonnée, près d'un petit bois, au sud de Samy. Mais si ces visiteurs ne sont pas de Kefalonia, d'où viennent-ils? Ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont mourir ici. Bon, je garde un peu de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien? Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord? Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué.
Comment c'était avec Marcos ? Oh, comme toujours. Je n'ai pas eu mon argent, et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui ? J'ai une dette envers lui, très ancienne. Ah, il t'a prêté des drachmes. Un autre genre de dette. Peu de gens auraient recueilli une enfant qu'ils auraient surprise à voler. J'étais toute jeune. Hein ? Je suis toute jeune, moi aussi, et je me débrouille toute seule. Que veux-tu, Phoebe ? Tu connais Chaosos ? Le village de l'autre côté de l'île ? Pourquoi ? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon amie. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas une déesse. Mais Icaros ! C'est un oiseau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire ! D'accord. Je vais aller voir ça. Par les dieux ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Vous êtes des meurtriers ! Des meurtriers ! Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Aide-nous ! Il veut nous garder ici ! Qu'est-ce qui se passe ? Une peste s'est déclarée à Chaosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Nous avons dû intervenir. Ils ont tué nos frères, nos voisins! Nous avons survécu au massacre, mais il veut nous tuer! Les dieux nous ont abandonnés. Si l'on veut sauver les vivants, les malades doivent rejoindre les morts. Tu as incendié le village entier? On a perdu trop de temps à prier. Il a fallu agir. Chasser la fièvre sanguine de Chaosos par le feu. Il n'y a pas d'espoir de trouver un remède. Rien n'a eu d'effet. Ni les sacrifices, ni les prières. Les guérisseurs refusent de venir. Les soldats ne nous laissent pas partir. Les dieux sont sourds à nos prières. Mais je ne connais rien aux histoires de peste, moi. Personne ne peut rien faire. Non ! Si tu interviens, je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui, aie pitié ! On est à peine malade ! On va guérir ! Personne n'en guérit ! Ceci est le seul et unique moyen d'éviter la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié ! On a des enfants ! Pense à eux ! Tu pourrais regretter ta venue ici, Mystios. Pardon, mais je ne vais pas me mêler de ça. On ne mérite pas de mourir. Mais combien d'autres mourront si je vous libère ? Tu auras notre sang sur les mains. Tu agis au nom des dieux. Tu as leur bénédiction. Tu ne les as pas sauvés ? Mais Ekina, c'est mon ami. Ce n'est pas aussi simple. Tu ne comprends pas. Comment tu le sais ? Moi, je sais que tu n'as aidé personne. Il n'existait pas de bonne décision. Personne n'y gagne. Tu as peut-être raison.
Il arrive que des innocents meurent, Phoebe. Même si ça nous met en colère. Je sais, mais j'aimerais que ça n'arrive pas. Allez. Maison abandonnée et les gens. Doucement. Ça n'a pas l'air d'aller. Je les ai contrariés, je crois. Les dieux. Meurtre ou sacrilège? Ni l'un ni l'autre. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes vœux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal? Tu connais Hermès. Il peut se montrer facétieux. Oh, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. D'accord, rassure-toi, je vais y aller.
Oh, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mystios. Tu vas fouler un sol sacré. On verra bien. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue. Il y a un courant d'air, une fissure dans la paroi. Intérêt à ce qu'on me remarque. Oh, ce bruit était étrange. Allez voir. D'où est-ce que ça venait? Mais que... Oh! Thank you.
Hein? Quelqu'un me fait une farce? Quelqu'un cherche à attirer mon attention? Il n'y avait que des bandits. Les gens auraient dû se douter de quelque chose. Et voilà leur butin. Je n'ai que ma dévotion à t'offrir, mais j'ai besoin d'aide. Je suis pauvre. Tout ce que j'ai, c'est 4 enfants affamés. Je tresse des paniers que je vends au marché, mais mon chariot est cassé. Comment vais-je le réparer et vendre mes paniers sans lui, sans toi? Je t'écoute, enfant d'Hermès. Oh, grand Dieu! Je t'en supplie, aide-moi! Ta prière a été entendue. Tu trouveras des richesses à ta porte plus tôt que tu l'imagines. Je savais que tu m'écouterais. Je te consacrerai chaque lever et coucher du soleil. Tout ce qui se trouve sous mon humble toit à Samy t'est dédié. Bien! Rentre chez toi et attends ta bonne fortune. Oui, grand Dieu, oui, j'y cours. Eh bien, si c'est d'argent qu'elle a besoin, autant faire bon usage du butin de ces brigands. Aucun dieu dans ces grottes, seulement des bandits qui dépouillent les gens de leurs drachmes et de leurs espoirs. Oh, je le savais! Des voleurs! Au moins tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus. Peut-être qu'il aura pitié de toi. J'espère que la colère de Zeus frappera ces brigands. Ne t'en fais pas, ils ont connu la mienne. Ça devrait suffire.
Comme elle l'avait dit, ce chariot est dans un triste état. Ces paniers étaient destinés au marché jusqu'à ce que le chariot casse. Voilà qui l'aidera. Plutôt elle que les bandits. Qu'est-ce que je peux pour toi ?
N'hésite pas à revenir. À ta place, j'arrêterai tout de suite. Oh!